Salut à tous, c'est Lunatrix. Actuellement en route vers le diamant, je vais vous présenter un champion qui m'a permis de grimper le ladder en quelques mois. Il est plus connu au cinéma que dans la faille, je veux parler de Shaco. Pour commencer cette vidéo, nous allons nous attaquer au counter. Notre moine aveugle préféré est un bon counter de Shaco. Lee Sin possède un kit de sort qui lui permet de me repérer malgré mon invisibilité. Et son burst ne me laissera aucune chance. Même si Shaco n'est pas du genre à se perdre dans la jungle, le grand méchant Warwick reste un danger pour notre bouffon. S'il peut me voir quand je suis invisible, il peut aussi sentir l'odeur de mon sang à des kilomètres à la ronde, et me croquer comme la grand-mère du petit chaperon rouge. Kayn est aussi un gros problème pour Shaco. Si avant sa forme ultime, il ne représente pas un grand danger, une fois transformé, son burst et son ultime deviennent un combo dévastateur. Il vous sera tout simplement impossible d'éviter l'intrusion obscure malgré vos sorts d'escape. Donc faites attention si vous jouez contre un Kayn. Shaco n'est pas qu'une proie, il est aussi un bon chasseur. Kha'Zix n'est pas à craindre lorsqu'on joue Shaco. Effectivement, la sauterelle se counter aisément grâce à votre clone qui réduira son burst. De plus, votre mobilité empêchera Kha'Zix de fuir, ce qui l'obligera à prendre le fight. On a tous déjà croisé des slimes dans Minecraft. Dans League of Legends, on l'appelle Zac. Et comme tout bon slime qui se respecte, il est vraiment inoffensif en early. C'est pourquoi vous pourrez aller le counter sans trop de soucis. Plus sérieusement, il n'a ni les damage ni la tankiness pour vous résister. Alors ce serait dommage de ne pas en profiter. Shaco est un très bon counter de Kindred. Si nous avons tous les deux de bons dégâts, l'ultime de Kindred lui sera inutile. Le cooldown de son ultime terminé, il m'est désormais facile d'achever ma cible grâce à mon sort tromperie. Passons maintenant aux runes. Pour le choix des runes, différentes écoles se présentent à nous. Pour ma part, je prends domination en principale et sorcellerie en branche secondaire. J'opte pour électrocution plutôt que Dark Harvest, histoire de m'assurer un bon burst dès l'early. Je pars ensuite classiquement sur ruée offensive, arracheur d'œil et chasseur acharné. Pour la branche sorcerie, je me tourne vers célérité pour son buff de dégâts en fonction de la vitesse, et vers tempête de mana pour scale nos dégâts sur le late game. Pour ceux qui préfèrent la moisson noire, je vous conseille plutôt de choisir focus absolu et brûlure. La première vous permettra de faire plus de dégâts à votre ennemi si vous possédez 70% de vos PV. Et brûlure vous apporte un burst instantané. De quoi spammer votre mastery set. On enchaîne sur le skill order. Il va vous demander un peu plus de concentration. On commence par prendre les box en premier pour faciliter leur lit. Puis on part sur tromperie pour inveiller le jungler adverse au niveau 2. Ensuite, on up double poison et bien évidemment hallucination. Au niveau 4, mettez un deuxième point dans le A pour augmenter la durée de votre invisibilité et maxer le double poison. Enchaînez sur le sort tromperie et finissez par les box. Il est important de mettre un second point rapidement sur la tromperie pour augmenter la durée de l'invisibilité. Nous voilà arrivés au build. On commence par une machette du chasseur et un collier rafraîchissant. On rush le Tiamat pour clean les camps de la jungle plus facilement. Et n'oubliez pas le slogan « Save a life, buy a pink ». Ensuite, on fait la lame dentelée pour la létalité et une paire de bottes pour pas traîner dans la jungle. On termine les PV spéral de Draktar et les bottes de mobilité avant de passer à autre chose. Dans le même style que la Draktar, on rush ensuite la Yomu pour la mobilité et le buff de dégâts. Shaco ayant besoin de gros dégâts, on part sur l'item préféré des ADC. Je veux parler de la BF Glaive. Il ne vous manque alors plus que 1900 PO pour terminer la fosse spectrale. Elle nous offrira plus de dégâts et réduira le cooldown de nos sorts. Finissez l'Hydre Vorace grâce à votre Tiamat et vendez votre machette du chasseur. Enfin, optez pour un ange gardien si vous êtes susceptible de vous faire OS ou une Triforce pour ajouter plus de dégâts à votre bouffon des ténèbres. N'oubliez pas, la lame tempête a été conçue pour Shaco, donc n'hésitez pas à l'essayer pour remplacer l'ange gardien ou la Trinité. Passons aux choses sérieuses et regardons le chemin de la jungle. Pour le chemin de la jungle, il y a la version classique et la version agressive. Dans tous les cas, on commence par poser 4 box au raid. Placez-les à partir de 35 secondes de jeu. Suite à ça, on décide de la jouer tranquille et on part sur le blue buff. Puis les loups et le carapateur. Une manière de défendre son territoire d'une quelconque invade. Si on part sur une version plus agressive, après votre raid, regardez si la bot lane ou la top lane arrive en retard sur sa voie. Et partez sur le buff adverse. Grâce à cette info, vous saurez où se trouve le jungler adverse et vous pourrez aller le chercher. Lorsque vous êtes sur le point de style le buff,
Protégez vos arrières en posant une ward de l'autre côté du mur afin de voir l'ennemi arriver. Le jungler était tellement en retard que j'ai eu le temps de prendre le groupe et de le ramasser avant de repartir au KLM. Petit tip pour la jungle. Avec Shaco, vous devez tourner tout autour du mode pour proc votre passif. Cela vous permettra de clean plus facilement et donc d'économiser vos points de vie. Une astuce à ne pas négliger si vous désirez bien clean toute la jungle. A partir de votre niveau 6, Shaco est l'un des meilleurs persos pour faire le dragon seul, ou presque. Passez discrètement le mur, invitez votre clone à la fiesta et mettez une petite punition à Alduin. On n'oublie pas d'utiliser le passif car le Drake ne se laissera pas faire pour autant. Pour faire un bon gank, approchez-vous sans être vu et utilisez votre sort tromperie. Une fois proche de l'ennemi, posez votre boîte surprise derrière lui et commencez à l'attaquer. Lors de sa fuite, votre box le ralentira et vous pourrez en profiter pour prendre le kill. Il est clair que cet écho n'avait pas vu le dernier tuto de la Sparna Games. Il y a des lanes où vous ne pourrez pas gank. Par exemple, les personnages trop tanky ou avec un trop gros burst peuvent vous être fatales. Cette Riven qui me harcelait pour un gank n'a pas été déçue de mon séjour en top lane qui a régalé le Urgo. On passe maintenant aux tips avec Shaco. Premier tip rigolo mais pas forcément très utile, le Q-back. De la même manière qu'un Twitch, Shaco peut back en étant invisible grâce au buff Nashor. Ce move peut aussi vous être utile lors d'un fight au Nash ou pour bait un ennemi. L'ultime de Shaco vous permet de faire apparaître un clone, mais pas seulement. Il vous rend aussi insensible pendant l'espace d'un instant. Utilisez-le à bon escient. Il peut vous sauver la vie comme dans cet exemple où je disparais le temps que l'orage passe. Si votre ultime vous permet d'esquiver des dégâts de vos ennemis, il vous permet aussi d'éviter un coup de tour tout en lâchant l'aggro. Un outil idéal pour dive une queen qui se sentait un peu trop safe sous sa tour. Ne pensez pas que l'ultime de Shaco peut tout esquiver. L'ultime de Morgana ne vous laissera pas vous enfuir si facilement. Malgré votre invisibilité temporaire, vous restez scellé à ses chaînes spirituelles si vous êtes à portée. Dans une situation délicate, vous pouvez ruser grâce à votre ultime. Utilisez-le et ne bougez plus. Faites semblant d'être le clone en le faisant fuir discrètement. Les ennemis vous abandonneront en pensant que vous êtes le clone. Vous pourrez en profiter pour fuir à votre tour ou encore combattre pour grid un kill. On passe maintenant sur un pro tips. Utilisez votre tromperie et juste après, activez votre hallucination. De ce fait, le Malzar se fait complètement bait et lâche tout sur le clone. Je n'ai plus qu'à me servir et renvoyer le prophète d'où il vient. Dans le néant. Votre sort double poison vous sera utile pour achever les proies qui tenteront de fuir. Étant occupé à jouer avec mon ami Brand, j'ai dû me débarrasser de Sivir avec le double poison. J'ai alors changé de focus pour m'occuper d'Echo qui passait déjà une sale journée. Pour fêter ça, on est resté 5 minutes sous la tour avec le bro Malphite. Le mid-late game approche, voyons ce que peut faire Shaco après 20 minutes de game. Dans les teamfights, restez bien focus et choisissez LA cible à abattre. Je passe devant Swain, Irelia et Thresh qui ne m'intéressent pas du tout. En revanche, Kai'Sa croque sous la dent. Je lui passe un combo et je pars sans m'arrêter car j'ai l'impression d'avoir énervé ses coéquipiers. Comme beaucoup de personnages, Shaco excelle dans le split push. Grâce à son ultime, vous allez pouvoir casser des tours plus rapidement que les démolisseurs de l'extrême. Votre kit de sort vous permettra de vous échapper facilement. C'est pourquoi Shaco est si bon dans le domaine. Shaco est très craint lors des batailles pour les objectifs. Il peut intervenir facilement et style un Herald par exemple. Grâce à sa tromperie, au smite et à son poison double, il peut apporter un burst qui est difficile à contrer. Il s'avère que dans cette situation, c'était plus une erreur du jungler. En revanche, pour ce style Nash, c'était bel et bien le combo qui m'a permis de voler ce Nash et la game dans la foulée. Malgré mon décès, je renverse le cours de l'histoire et offre une possibilité à mes coéquipiers de finir la game. Lorsqu'une game s'annonce un peu trop longue, il est temps de prendre les devants. Ignorez les calls de vos alliés, courez au mid et terminez le Nexus comme si vous preniez une tour. Le clone et votre sort tromperie vous laisseront assez de temps pour prendre rapidement un Nexus à nu, et ce même si les renforts arrivent. Voilà, c'est fini pour le tuto Shaco. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce champion et j'espère que vous en prendrez autant que moi en vous entraînant sur ce bouffon. C'est vraiment un funichon. Je vous invite à lâcher un j'aime et un commentaire de remerciement. Si vous avez besoin, je suis régulièrement sur le Discord de la Sparna Game. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. C'était Lunatrix pour la Sparna Game. Ciao.